Nang's Reborn. Hallelujah. Hallelujah. I am so grateful because my life was a mess. Last year, for 26 years, I'm now 27. April 20 just passed, make me 27 years. For 26 years, I was working for the devil in the way that enjoying your life. Everybody that is in sin, you are working for the devil. You don't know. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis très reconnaissante au Seigneur parce que pendant 26 ans, ma vie a été un gâchis. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour le diable car, comme vous le savez, toute personne qui vit dans le péché travaille pour Satan. Je voulais jouir des plaisirs de cette vie. Not mean that you should be under the water, you are working for a devil. A sinner that you are not living your life carelessly. You are just smoking cigarettes, clubbing, doing all kinds of things. You are working with the devil and you are binding the devil. The devil just laughs. Say, look at this one. Try die, let you go where I belong. Ce n'est pas que je pratiquais la sorcellerie. Je vivais n'importe comment, fumant des cigarettes, allant en boîte de nuit, faisant toutes sortes de choses. Quand on fait ces choses, tout en se disant chrétienne, le diable se moque de vous et dit, « Regardez-moi celle-ci, meurs seulement et tu verras ce qui t'attend. » My past life is not too sweet to talk about. Parler de ma vie passée n'est pas du tout agréable. You know when orphan, we are orphan, four of us, when person is not under parents' care, how he feel to live his life carelessly. This is how I used to live my life, carelessly, nobody control me. Mes frères et moi sommes des orphelins. Comme il n'y avait pas d'autorité parentale pour me contrôler, je me suis lancé à corps perdu dans une vie dissolue. Many pastors are saying she's a prostitute. Today I'm going to tell you how Jesus called a prostitute. Beaucoup de pasteurs disent que je suis une prostituée. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu entend par prostituée. When my parents died, they leave the responsibility in my aunt, me and my elder sister. À la mort de mes parents, toutes les responsabilités reposaient désormais sur ma sœur aînée et moi. We enter the world. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Satan use us to go far from the grace of God. Satan nous a fait dévier loin de la grâce de Dieu. Because he blind our memory that one day we will die. We thought that we will not die. Nous ne pensions pas un seul instant que nous allions mourir un jour. Enjoy life to the fullest. Jouissant pleinement des plaisirs de cette vie. I entered the world at a young age. Je me suis lancé dans la vie mondaine à un très jeune âge. 16-17 years. 16-17 ans. When my mother died. Après la mort de ma mère. The uncle we stay with. When my uncle I stay with. L'oncle chez qui nous vivions. They throw us out. Nous a mis dehors. The girl child is not profitable. Il disait qu'une fille n'allait rien lui rapporter. That time we are small. They say a girl child at the end will become prostitute. They don't have time in our tribe. They don't have time for girl child. So. À l'époque, nous étions encore petites. Dans notre tribu, les gens ne s'occupent pas de la scolarisation de la jeune fille. Ils se disent qu'une fois grande, une fille ne peut devenir qu'une prostituée. We try all we could to go to school. We beg our uncle, please help us to go to school. He is very rich. Nous avons tout essayé pour aller à l'école, suppliant même notre oncle de nous aider. Il en avait largement les moyens. My own uncle that my father helped, my father was a rich man, helped to have a job, open factory business. After my father died, my mother died. He said he will take us. After we grow 1 year with him, you know, a virgin girl has a breast, me and my elder sister grow up. At the end, he said we should become his wife. C'était mon propre oncle. Mon père, qui était un homme riche, l'avait aidé à trouver un emploi et à ouvrir une entreprise. Après le décès de mes parents, il s'était engagé à nous élever. Après une année passée chez lui, et voyant que nos formes étaient apparues, il nous a proposé de devenir ses maîtresses. Before he continued paying our school fee. C'était sa condition à lui pour qu'il continue à financer nos études. Me and my elder sister said no. We are seeing you like our daddy. Ma sœur et moi avons dit non, tu es pour nous comme un père. Where can we go, me and my sister? Because the way our father grew us up, we don't go out, we don't know people.
From school to home, from home church, everything is inside our house. We don't know people unless she comes to our house and visit, because the fence is so high. My father don't want us to go. So where can we start? We are asking, me and my sister were discussing, where can we go now? Nous nous sommes demandé où aller quand nous ne connaissions personne. Nous ne connaissions que l'école, l'église et le domicile familial. Nous n'avions pas d'autres personnes vers qui nous tourner. We enter the world. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Start keeping boyfriend. Je me suis fait des petits amis. Go on, go on. The boyfriend I'm keeping, they are small boys, they don't have money. I leave them, I start chasing big men. Au début, je sortais avec les jeunes gars, mais je me suis rendu compte qu'ils ne me donnaient pas assez d'argent. Alors, je me suis lancé dans la chasse au gros gibier. Because my mother said before he died, he said, my daughter, please, you people fight her to educate yourself. De son vivant, notre mère nous avait dit de tout faire pour aller loin dans les études. I will make a promise to all of us who say we are going to educate ourselves. And put shame to our family that girl child is a prostitute. We are going to tell our family that a girl child is not a prostitute, but the girl child too have a portion in the heart. Nous nous sommes engagés à le faire pour montrer aux gens de notre famille qu'il n'y a pas que la prostitution pour une jeune fille, mais qu'une jeune fille peut aussi faire la fierté de la famille. Start sleeping with big men. Alors j'ai commencé à sortir avec les hommes nantis. Finish my secondary school. J'ai fini le lycée. Yeah. I start paying my own school fee at the age of 15. J'ai commencé à payer mes propres frais de scolarité à l'âge de 15 ans. Start paying Finda school fee at the age of 15. Malé, Finda, you are seeing today. Ainsi que les frais de scolarité de ma petite sœur Finda. She was a baby. Elle était pour moi un bébé. So, me and my elder sister, two of us take up the responsibility because we have two small ones, we share them. And Finda, we are taking care of, she is taking care of Finda 100%, and me, I'm taking care of the young boy 100%. Ma sœur aînée et moi, nous nous sommes partagés les charges. Elle encadrait Finda et moi, je m'occupais de notre petit frère. So if a man wants me, I will tell you, I have a child. I have a brother. Please, if you help me, help my younger one. Ainsi, quand un homme voulait de moi, je lui disais, s'il te plaît, j'ai un enfant. Si tu m'aides, aide aussi mon jeune frère. We pass through hell. Often we pass through hell. We cry. Le fait d'être orphelin nous a fait traverser l'enfer. Nous avons pleuré. Person that used to sleep in a AC big house, our father have big house. We used to sleep under cellar. Nous qui étions habitués à vivre dans une grande maison luxueuse, pleine de confort. Our uncle took all our father property, they sold them. Mes oncles ont pris tous les biens de notre père et les ont vendus. Anyone you go and meet, uncle, please, school fee. You have sell my father this. They said they are not paying him the money yet. The freezer, the generator, the land, excuse the cars. They took the car. The person supposed to pay the money for this Jeep. You know, everything go down the drain. We don't know anything. Chaque fois que nous disions, tonton, tu as vendu tel bien qui appartenait à notre père. J'ai besoin d'argent pour mes études. Il disait, il n'y a pas d'argent, la personne qui a pris le congélateur ou telle autre chose n'a pas encore payé. Et c'est ainsi que tous les biens de notre père s'en sont allés en fumée. And then I vest in my spirit. Je me suis fâché. I said, God, you are there. They said, the orphan, you are the father of the orphan, you are sitting there. From today, I will enter the world. J'ai dit, Dieu, on dit que tu es le père des orphelins et tu ne fais rien. En tout cas, moi, je vais me lancer dans la vie mondaine. Go and join a bad friend. J'ai rejoint des mauvais amis. But I have it in my mind that I will not have a child, but I will finish my education. Any money, I will put it in my education. Mais j'avais décidé de ne pas avoir d'enfant, car je voulais finir mes études, et tout argent que je gagnerais serait investi dans mes études. So I joined family planning. Alors je suis allé au planning familial, les IVG. So I enter university. Je me suis battu jusqu'à entrer à l'université. When they are saying parent meeting, I'm coming for parent meeting. Quand on convoquait la réunion des parents d'élèves, j'y allais. My lecturer asked, what is it? I said, I don't have parents, I don't have guidance, I don't have nobody. Me sitting here is the parent, is everything. When Finda is going to school, they say parent meeting, I'll come. The teacher said, this is not your sister. I said, as you see her, so she's everything for me. Je disais aux enseignants que je n'avais pas
de parents ou de tuteurs et que je suis à la fois étudiante et parent. J'assistais aussi aux réunions des parents d'élèves à l'école que fréquentait ma petite sœur Finda. Elle disait aux gens que j'étais tout pour Why elle. Why I'm telling you this? Maybe some of you are going through this hard time. You say God will understand because at that end God will not understand. Si je dis cela, c'est parce que dans les problèmes, certaines personnes font des choses et se disent Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Sin is sin. Le péché, c'est le péché. Enter university. Let me rush with the testimony. Enter university. Enter a club. Wild children. Meet up this rich man. Children. Some of them are wild. Enter. We start drinking rum. Je vais aller vite. Une fois à l'université, j'ai rejoint une bande de filles. C'étaient les enfants issus des familles riches, des filles totalement dépravées. Nous nous sommes mis à boire de l'alcool. My friend say all time you sit and cry. Let me show you something that will make you to forget about the world. Introduce Indian hemp to me. Elles m'ont dit, chaque fois que tu es triste et au bord des larmes, nous allons te trouver quelque chose qui va te faire oublier tous tes soucis. C'est ainsi qu'elles m'ont initié à la consommation du chanvre indien. Anytime I took plenty India and my head would be doing like this, I just fall asleep. Chaque fois que je me bourrais de drogue, ma tête tournait et je partais me coucher. Yeah. I get addicted to me. If I don't smoke India, I would not eat. J'étais déjà esclave du chanvre au point de ne plus pouvoir manger sans avoir pris cette drogue. We start living this tabia bags. We start going to whiskey. Nous avons plongé dans une vie de débauche. 26 of us were in numbers. Nous étions 26 filles. People saw us the way we dress. One thing we know that we have our body, we take care of our body. Any cream that they say this cream will make you look fresh and decent. We do because this body, we say that this body is the way that we can have money. If you don't take care of your body or dress good, that's why you see I was in fashion. That's why I'm talking to women, take off this jewelry, take off this earring. Some of you are carrying fake gold. Nous nous habillons à la dernière mode, utilisant toutes sortes de produits. Nous, on prenait bien soin de notre corps, car pour nous, notre corps devait nous rapporter de l'argent. Alors il fallait en prendre soin, il fallait l'embellir. J'étais à la mode, c'est pourquoi j'ai dit aux femmes de se débarrasser des bijoux. Vous portez de faux dieux sur vous. We all know the strategy. There are certain men in the world that don't have business with cheap ladies that look this way. So we go for costly material to wear. That when you see us, you know that this is my class. There are some men, they look for class. Nous savions qu'il y a des hommes qui ne sortent pas avec n'importe quelle femme. Alors nous, on ne mettait sur nous que des choses chères, afin qu'en nous voyant, de tels hommes disent, ça c'est ma classe. Oui, en matière de femmes, certains hommes recherchent la classe. I will spend on my body. Every day I'm doing makeup on my body. Je dépensais de l'argent sur mon corps. Chaque jour, je prenais du temps pour me maquiller. As you see this thing I'm carrying, this is not a pencil, this is tattoo. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le crayon, mais des tatouages. Tattoo on my back, tattoo on my hand. J'ai des tatouages sur les mains et au dos. Put bead on my waist, put chain on my foot. When I'm putting on chain, not one. Je portais un collier autour des hanches, des chaînes aux pieds et autour du cou. I carry 6 earrings on my head, 3 here, 3 here. Je portais 6 boucles d'oreilles, 3 de chaque côté. I carry eyelash, long one like witchcraft. Je mettais des fossiles longs au point de ressembler à une sorcière. It's now people are seeing my natural nails. Every day I do archaic long nails. Ce n'est que maintenant que les gens voient mes ongles naturels, car chaque jour, je mettais de faux ongles. So, when we are talking about it, people are still putting on these things. I just see them alive. Donc, quand je vois des femmes continuer à mettre ces choses malgré nos mises en garde, moi, ça me fait rire. Many people think I'm joking when I say they will torture you in hell for attachment. Beaucoup de gens croient que je plaisante lorsque je dis que les gens seront torturés en enfer à cause des faux cheveux. Many people think we are lying when I say that we torture you. You woman are putting on trousers that your pastor is telling that there is a woman trousers. You will go and defend women trousers in hell. Beaucoup de femmes se disent que nous mentons lorsque nous disons que les femmes qui mettent des pantalons seront torturées en enfer. Il y a même des pasteurs qui les encouragent à le faire en leur disant qu'il y a des pantalons pour femmes. Eh bien, toi, pasteur, tu auras tenu ces propos en enfer. The person standing here, I don't have clothes. I don't have gown. It's all trousers. And my trousers, I did it deliberately that you will not come up.
You will be down so that you will see half of my nash outside and wear tight clothes. Moi, je n'avais pas de robe, rien que des pantalons. Je m'arrangeais toujours que ces pantalons ne couvrent pas totalement mes fesses. Et au-dessus, je mettais un habit serré. Because our life is to find a person that can give us money. If I enter this church now, I will not just go and sit. I will look where I will see a man that, as I saw, my eye look like magnet. I know this have money. I will go and sit before the man. My waist will be beat. The man will just be watching. Tout ce que je cherchais, c'est un homme qui pouvait me donner de l'argent. Si j'entrais dans une église, je ne m'asseyais pas n'importe où. Je balayais la salle du regard et je choisissais l'homme devant qui j'allais m'asseoir. Et pendant tout le culte, les yeux de cet homme contemplaient mon derrière. Plenty married home, they cry on the hands of these 26 ladies. Beaucoup de foyers gémissaient à cause de cette terrible bande de 26 filles. So, my own life was enjoyment, going to clubbing, all in the name of I want to become somebody. And I make up my mind, I say, I'm not going to sorry for no man. Je fréquentais les boîtes de nuit. Bref, je menais une vie de débauche. Car je voulais réussir à n'importe quel prix, j'avais décidé que je n'aurais pitié de personne. I said, men, they are wicked. You can go and meet them. They have the money for help you. They say, no, you have to give me some. So, me too. I will not sorry for any man, neither any home. I don't care if you have a daughter that you have to pay college fee. My own money, I will clear it after leaving the office. Car les hommes sont méchants. Même quand ils ont les moyens pour t'aider, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de le faire. Je m'étais décidé que moi aussi, je n'allais avoir pitié d'aucun homme, ni d'aucun foyer. Peu m'importe si l'homme avait des enfants à charge. Ce qui comptait pour moi, c'est mon argent. J'ai raclé tout mon argent avant de ficher le camp. So this thing they are talking about witchcraft, it doesn't bother me because I always tell Mommy Rose, I say, Mommy Rose, see, why it don't bother me? Because if they say she was a lady in the street, I will bother them and say, why they are using my pastor? If I was in a witch, I should have killed many men in Sierra Leone. Quand les gens disent que je suis une sorcière, ça m'amuse. Car si j'étais une sorcière, j'aurais tué beaucoup d'hommes en Sierra Leone. Because I always say, Sierra Leone men are wicked. You are suffering. They have the money. They will not give you. Even if you're a widow, they will tell you, they will lie with you before they give you the money. Your own husband friends. Car je me disais toujours que les hommes en Sierra Leone sont très méchants. Ils te voient souffrir, mais ne font rien alors qu'ils ont de l'argent. Même si tu es une veuve, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de te donner quelque chose. C'est là même qu'ils se disent amis de ton défunt mari. So this is kind. Sometimes I leave house, I go and stay with my friends. Today we'll be in the club. Next tomorrow party. Next week clubbing. Next tomorrow beach. Every day on and off. Go to school, schooling. Sometimes we don't have time for schooling. Mm-hmm. I'll take excuse in the college that my auntie is dead. Lie, my auntie is not dead. We are traveling. Pour moi, c'était une vie de débauche. Tel jour, j'allais passer la nuit chez mes amis. Le lendemain, on allait faire la fête. C'était les boîtes de nuit. Le surlendemain, on était à la plage. C'était une vie mouvementée. Après, bon, je réussissais à apparaître en classe. Parfois, il n'y avait plus le temps pour l'école. On séchait les cours. Je donnais des fausses excuses du genre « ma tante est décédée ». C'était des mensonges. La vérité, c'est qu'on voulait voyager. The boyfriend I was carrying before the Lord arrested me is a Muslim. That is a Muslim and is a married man. That one, a wife, he cry. My friend say, he call one day, start to call. My friend say, if you don't do 7 days fasting and praying, dry fast, your husband will not come. L'homme avec qui je sortais avant que le Seigneur ne me rattrape était un musulman, marié. Sa femme gémissait. Elle m'a appelé un jour et mes complices lui ont dit, si tu ne jeûnes pas 7 jours à sec, tu ne reverras pas ton mari. Until the 15th of February, all this mess in my life stopped. C'est le 15 février que cette vie de débauche a pris fin. When Finda came to Nigeria last year, December 2012, I flog, I go and report Pastor Bemba to the police that because Sierra Leone, we are afraid of Nigerians. I said they have taken my sister to go and do sacrifice, this, that. I lay statement to the police that if they don't brought my sister, but Pastor Bemba was really fighting because the international is the director for Holiness of our Movement in Sierra Leone branch. Quand Finda s'est rendu au Nigeria l'année dernière, en décembre 2012, je suis allé à la police porter plainte contre le pasteur Bemba, qui est coordonnateur du mouvement du réveil dans la sanctification en Sierra Leone.
Comme en Sierra Leone, nous avons peur des Nigérians, j'ai dit à la police qu'ils ont emmené ma sœur au Nigeria pour la sacrifier et que je la voulais de retour immédiatement. Cela a vraiment ébranlé le pasteur Bemba. When my sister come back, she was so excited. We want to tell me what is happening in Nigeria. He said, Linda, a man die and come again. It's a movement that is preaching only. If you hear this word, you will really know that they are preparing for heaven. Ezekiel Moses, he start to call. Come with daddy, mommy, Achobebo, come with plenty book. As soon as I start to tell her, I say, what is this? He say, this one, brother, sir, my example, he died, he go heaven, Jesus show him hell, people are going, he say, this attachment people are putting on, we take you to hell, this, that. I say, lie, na Nigeria now, a new way of finding money. Du Nigeria, ma sœur est revenue toute excitée et m'a relaté ce qui se passe au Nigeria. Elle a dit, Linda, nous avons suivi le témoignage d'un homme qui est mort et ressuscité et à qui Jésus a montré le ciel et l'enfer. C'est un mouvement chrétien qui prêche la sainteté et la sanctification. Quand tu les écoutes, tu sens qu'ils se préparent vraiment pour le ciel. Elle a parlé des témoignages d'Ezekiel Moses et de Rose Achobe. Elle m'a dit que les femmes seront jetées en enfer à cause des faux cheveux. J'ai dit encore les mensonges des Nigérians. C'est un nouveau moyen pour eux de se faire de l'argent. Comment une personne peut-elle mourir et revenir? J'ai dit c'est un mensonge. Elle a dit non, Linda, tout est possible à Dieu. It's okay, read the book. Elle m'a dit, lis le livre. I just gathered the book, I threw it away. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans un coin. But since he came back, she always prayed that Lord, this attachment, my sister, put, I don't want her to go to hell. She will pray and talk fearfully about her, even condemning my trousers. Sometimes she will take some of my trousers and keep it. I said, the fear started to enter me. I go and meet my pastor. I say, Pastor, Daddy, since my sister came back from Nigeria, it's looking something and make me to fear that this we've won. They are lying to us in the church that they should, will not put it on, that will take us to hell. Is it true? The pastor said, don't mind her. It's a lie. Mais elle priait toujours pour que je me sépare des faux cheveux afin que je n'aille pas en enfer. Elle condamnait le port du pantalon chez la femme. Parfois, elle prenait mes pantalons et les cachait. Dans ses paroles, il y avait des choses qui me terrifiaient au point que j'ai décidé d'aller en parler avec mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, depuis que ma sœur est revenue du Nigeria, elle me dit des choses qui m'effraient. Par exemple, elle dit que le port de faux cheveux va nous envoyer en enfer. Est-ce vrai? Le pasteur a dit, ne t'en fais pas, c'est du mensonge, ils mentent. He says a lie, the devil just wants to suffer your life. He wants you to perish, suffer. How can you know the beauty of your body? The Lord said to beautify your temple. Don't you know that this is the house of God, the temple? He even draw your anointing, lay hands on me and bind the devil to come out of me. Start wearing trousers, go on, my daughter. Il a dit, c'est un mensonge. Le diable veut tout simplement que tu souffres. Comment peut-on te dire de ne pas t'embellir? Dieu dit que tu dois embellir ton corps. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Il a même appliqué l'huile d'onction sur moi, m'a imposé les mains et a chassé le diable hors de moi. Il a dit, ma fille, il faut porter tes pantalons. And when I was coming, they said, power enter me that make me to hate my sister. I go and meet her, I said, from today, if you are not praying any kind of prayer, these things, they have just brainwashed you. Pastor that no Bible just told me that, I just went to pastor, he said that, this thing they are telling you is lie. Nobody can die and come again. And attachment, trust, that doesn't matter. God has died for us. It is a lie. Finda, leave these things you are doing. You are doing yourself. Because I was afraid. I said, every time she looked this holy, pull all this entire, I see you will not get married. And you will stay in this house. What is this? De retour à la maison, une force est entrée en moi pour haïr ma soeur. Et je lui ai dit, on t'a fait subir un lavage de cerveau au Nigeria. Je viens juste d'en parler avec mon pasteur. Il connaît la Bible. Et il m'a dit que c'est du mensonge, que personne ne peut mourir et ressusciter, que les faux cheveux, les pantalons, Dieu ne regarde pas tout ça. Jésus est déjà mort pour nous. J'ai dit, Finda, abandonne cela. Tu t'es fait du tort. Car à chaque fois, elle avait l'air tellement pieuse que je lui disais, tu ne vas pas trouver un mari. Tu vas demeurer dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? He used to call my pastor. Why they go to church? He said, Sia, blind lead the blind. Now me and my pastor, we are blind. Souvent, elle disait de moi et de mon pasteur, regarde, vous êtes tous aveugles. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. But I was afraid for this, my younger sister, because my pastor I'm talking about, he has power in his hand. If he do like this, everybody will fall from this world. Blind will see. So when he's talking this, I was afraid. Sometimes they went to my house, my pastor and daughter went to, I start to talk. Finna start to talk. I don't believe your church is. I said, man, no go tell pastor. Pastor Lake. Sickness on my sister or man, because my pastor anything open mouth say it they come to pass.
J'avais peur pour ma sœur parce que le pasteur dont je parle est puissant. D'un mouvement de la main, il peut faire tomber tout le monde dans cette salle. Les aveugles voient. Quand les filles de mon pasteur venaient à la maison, fin d'aller critiquer, et j'avais peur que ces filles n'aillent rapporter ses propos à mon pasteur. Car tout ce que mon pasteur disait s'accomplissait. J'avais peur qu'il ne lui lance une maladie ou même la folie. Finda, c'est nothing you can do me, Linda. I'm telling you, that church, there's nothing in that church. All of you will go to hell until the 15th. What all Finda was saying, and one pastor, Pastor Emeka Mose, Watchman Catholic Renewal Movement in Sierra Leone, they have the branch. All of them, because there where my sister grew up, they baptized her, she know Christ. So both of them, they used to preach about this thing. Pastor Emeka will come home, open Bible and say it's a lie. Until the 15th, when I die, the Lord show me hell. Finda répliquait en disant, « Linda, ton pasteur ne peut rien contre moi. Je te dis qu'il n'y a pas la vérité dans votre église. Vous finirez tous en enfer. » Bref, d'autres pasteurs en Sierra Leone étaient contre la doctrine de la sanctification. Les choses ont changé pour moi le 15 février, quand je suis morte et que j'ai vu l'enfer. When we go home on the 15th, I was fighting with my life. Wake up, I was crying. The thing started on the 13th, the 14th, the 15th from one barrier. I was tormented. I said, what is this? The voice was telling me, you are next to that, you are next to that. I, my whole life, I tired. So which kind of voice be this? Je vais aller vite. Tout a commencé le 13 et du 14 au 15, j'étais à un deuil. Une voix ne cessait de me dire que j'étais la prochaine personne qui allait mourir. Je me suis demandé, mais quelle est cette voix? Early in the morning, February 15, 6 p.m., I will never forget that day. When I woke up, as if somebody is using a knife to cut my life. Le 15 février est un jour que je n'oublierai jamais. Très tôt le matin, j'avais l'impression qu'on me découpait à l'aide d'un couteau. That is very painful. That's why you see some people when they are dying, they are fighting. Le processus vers la mort est douloureux. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes donner l'impression de lutter avant de mourir. I shouted my younger sister, Finda. She ran into my room. I said, what is it? I said, I'm dying. Pray for me. J'ai crié, Finda. Elle est venue en courant dans ma chambre. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je suis en train de mourir. Prie pour moi. She said, get down. Come, come. Leave the bed. Come, come. Oh. Elle a dit, viens. Sors du lit et viens. Just stand. Tiens-toi debout. I can't stand. No life down again. It's up here. The life was now. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus de vie dans mes jambes. So I was stretching my hand to hold her. As if I'm stretching my hand to her, they are forcefully cutting the life bit by bit. Je faisais des efforts pour rester en contact avec elle. Et pendant ce temps, ma vie s'en allait petit à petit. I opened my eye like this. I flushed her to come out of my mouth. I was even crying to God. She said, oh, this one is serious. He entered into tongues. Start to pray. Mes yeux étaient révulsés. Je bavais. Elle a dit, c'est vraiment sérieux. Elle a commencé à prier en langue. Call my family friend, call my former boyfriend, call my younger brother. Come, something is happening to Linda. All of them went to prayer. He took water, pour me. There is not as if they put hot water on me. Elle a appelé les membres de la famille, mon ex-amant et d'autres personnes, leur disant, venez, quelque chose est en train d'arriver à Linda. Ils se sont mis à prier. Ils ont versé de l'eau froide sur moi. Pour moi, c'était comme de l'eau chaude. I leave them enter bathroom. I say, okay, but as if I want to shit, as if I want to this. I enter bathroom. They are going there. Finda say, Linda, don't walk up and down. Come and sit here. Don't be walking. Let me pray for you. J'avais toutes sortes de sensations. Tantôt je voulais aller aux toilettes. Tantôt je voulais faire autre chose ou aller ailleurs. Finda a dit, Linda, cesse de t'agiter et viens t'asseoir ici. Reste calme. Laisse-moi prier pour toi. Immediately, lie on my leg. Dès qu'elle a dit, couche-toi sur mes jambes. Oh, yeah. I lie like her like this. She held me like this. Je me suis couché et elle m'a prise dans ses bras. The way she saw me. Elle m'a regardé. My eye was so red. Mes yeux étaient rouges. It's now he's telling me. He said, when you look my attachment, see the big attachment for my head. Plus tard, elle m'a dit que lorsqu'elle a vu toutes les lourdes mèches que j'avais sur la tête. See the bangles on my hand. Les bracelets autour de mes poignets. See the ring on my finger. Les bagues que j'avais au doigt. See the nails. Les faux ongles. Most of the things I died with are artificial. Ces parures que j'avais sur moi au moment de la mort étaient artificielles. Eyelash artificial. Les cils étaient artificiels. And Finda started to cry. Say, Lord. Finda commença à pleurer en disant, Seigneur. He said, Linda, you are going to accept Christ now.
Elle m'a dit, Linda, tu vas accepter Christ maintenant. Satan said for where? Satan a dit jamais. So she started to say, say Lord Jesus. Elle m'a dit de répéter, Seigneur Jésus. I was fighting to call the name of Jesus. I said, Lord Jesus. Oh, j'ai lutté pour pouvoir appeler le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans mon cœur. As he started to say, today I accept. Aujourd'hui, je t'accepte. Je n'ai pas pu finir. It's just like the big giant stone. Satan just put it on top of me. Boom. C'est comme si Satan avait jeté une énorme pierre sur moi pour me fermer la bouche. I do like this. J'ai poussé le cri que vous venez d'entendre. My life was coming down now. La vie m'avait quitté. What I saw with countless people more than you. Ce que j'ai vu après, c'est des multitudes de gens. On ne pouvait pas les compter. I don't know anything. Oh, I thought that it's my real body. Nothing. I don't wonder they said the soul look like us, just like me. Je croyais que j'étais encore dans mon corps physique, alors que ce n'était que mon esprit. En effet, notre corps spirituel ressemble à notre corps physique. Not knowing that Finda was shaking the body and crying. Je ne savais pas que Finda était en train de secouer le corps en pleurant. Me, I'm in a different place. Don't know the place. Moi, je me trouvais déjà dans un lieu inconnu. Countless number of people more than you. Il y avait des multitudes. You can see them, they are ahead, they are going. Most of us, all of us, we are going this broad road. Tout le monde et moi avec, nous avancions sur une route très large. White, black, blue, any color races on earth. Les blancs, les noirs, bref, toutes les couleurs de peau qu'il y a sur la terre. And I start to ask myself, I say, where am I? Je commence à me demander, mais où suis-je? Il y a un instant, je me tordais de douleur à la maison. Mais où suis-je? And other people too, because they were doing like this. Everybody is talking, we are moving. Par leur attitude, j'ai vu que les autres se posaient la même question, mais personne ne parlait. On ne faisait qu'avancer. We move, reach a wrong place. Heat start to come. Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avons commencé à ressentir la chaleur. The heat I start to feel, it's more than the sun. It's hotter than the sun. La chaleur que je ressentais dépassait celle du soleil. My body start to inching. You know when you are standing hot, your body will do like this. I see something is pinching. Je ressentais comme des picotements sur tout mon corps. I do like this. Where is mine? Where am I? Je me demandais toujours où je me trouvais. Quoi? But there is a force that you don't know, that you don't have the sense or the sense to go back. You as if something is drawing you. Là-bas, l'idée de faire demi-tour ne t'effleure même pas. C'est comme s'il y a une force qui te pousse vers l'avant. As you reach a planting place, a big gate like this, I don't know how to call it in Seattle, call it an ugly gate. Nous sommes arrivés devant un horrible et effrayant portail. Voice was coming out of that place we are going. Une force venait de cet endroit vers lequel nous nous dirigeons. I start to hear a voice. J'ai entendu une voix. Voices. Puis des voix. If you hear one voice, say help, you will say, ah, this is a woman or a man, help. Si tu entends un cri, tu peux déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Okay, as we are getting close, I start to hear. En nous en approchant davantage, j'ai entendu ce que vous venez d'entendre là. Et immédiatement, we saw demons coming out of the place. Nous avons vu des démons surgir de ce lieu. That the time I know, I say, hey, I'm dead. This is hell. Alors je me suis écrié, hey, je suis morte. Ça c'est l'enfer. Just imagine many people. Nous étions une multitude. The demon undo all of us to enter. Les démons se sont saisis de nous et nous ont entraînés. I want to run back. J'ai voulu faire demi-tour en courant. Le diable a dit pas question. Il a juste tendu son bras et m'a saisi. The nails of the devil, the demons in this place, the nails, they look like knife, sharp objects. Les ongles des démons sont semblables à des couteaux tranchants. And they are so giant, they are high. Et ces démons sont très grands. They have tails. Ils ont des queues. They have horns. Des cornes. See their hair like fana. Leurs oreilles sont démesurées. See their eyes so red that when they watch you, you know that today na danger.
Leurs yeux sont tellement rouges que quand ils les fixent sur toi, tu sauras que c'est fini pour toi. See their teeth so black. Leurs dents sont très noires. They have their own thing on them, wicked weapon on them. Ils ont des armes redoutables sur eux. So when he sent his hand like this, he grabbed my hand, not my arm. My arm, it was only the nail of the demon pierced my body. It was only my bone. Donc quand il m'a saisi le bras, ses ongles se sont enfoncés dans mon corps jusqu'aux os. That is the first pain I felt. C'était le commencement des douleurs et de la souffrance. I said, why my own has finished? I said it in Creole. Why my own not done? That's why I'm finished today. J'ai crié dans ma langue maternelle. Oh, ma dernière a sonné. Je suis fini. The devil dragged me forcefully. Le diable m'a tiré avec force. They don't want to know why you are dragged or if you are wounded or what. They don't care. Just enter now. Ce que tu es leur importe peu. Ils te tirent tout simplement. And when we enter the darkness in hell. En enfer, les ténèbres sont épaisses et profondes. It's only voice I can hear now. On n'y entend que des voix. You can hear voice, you cannot see person again. On peut y entendre des voix, mais on ne voit personne. You can hear water. Tu peux entendre de l'eau. You can hear I'm tired. Tu peux entendre je n'en peux plus. You can hear hell. Tu peux entendre l'enfer. You can hear storm. Tu peux entendre stop. You can hear have mercy. Tu peux entendre pitié, pitié. Everybody that is dying on this earth, planet Earth, be Jehovah Witness, be Muslim, everybody as they enter hell, they know that Jesus is the way. C'est en enfer que toute personne qui meurt sur la terre reconnaît que Jésus est le chemin. Que tu sois musulman, témoin de Jéhovah, etc. Everybody call Jesus. Là-bas, tout le monde appelle Jésus. So you are here, you know Jesus, you are playing with it like this, you are having the staff for Savior, you are doing like this. The same punishment they are going to give Muslims, Israel is going to punish you. Ici sur terre, toi tu connais Jésus, mais tu n'es pas sérieux. Eh bien sache qu'en enfer, tu recevras le même châtiment que les adeptes des religions qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. We cry in hell. Il y a des pleurs en enfer. The darkness, the fear in hell, it grabs you. The fear, the horror, the voice. Hear people cry. You will not even hear a cry that will make you will fear. Like when somebody shouts, you are fearing like this. You know that where is the you do your air like this? You know I'm going to my own place. Les ténèbres et la peur te saisissent. Les hurlements, les cris des damnés t'effraient. Il n'y a même pas moyen de te boucher les oreilles pour ne pas entendre. Tu sais seulement que toi aussi, tu te diriges vers l'endroit où tu seras torturé. The sound make you to lose your mind and terrify your pieces. Le bruit. The sound, it make you to lose your mind. Le bruit te fait perdre la tête. Nobody can imagine or bear the pain in hell. Personne ne peut ni imaginer ni supporter la douleur, la souffrance qu'il y a en enfer. And then the demons say. Alors les démons ont dit. Linda, we will torture you here today. Nous allons te torturer ici aujourd'hui. How did they know my name? Qui leur a dit mon nom? I asked Daddy. I was saying that they know everything. It's not that Daddy is telling me that they are demon on earth. They pass the message to them. I say it's true because they know everything you are doing on earth here. Les démons qui sont sur la terre transmettent des informations aux démons qui sont en enfer, dont les démons sont au courant de tout ce que tu fais sur la terre. You are sitting here listening to the word only message. You are saying, I don't believe, I don't want, I like my church, I will not dress like this. The demon know the time, all they are telling you, what you said, they will remind you that day if you enter hell. Sur terre, quand on parle de sanctification, les gens disent, ah, est-ce que c'est vrai? Dans mon église, on ne nous dit pas ça. Moi, je n'y crois pas. Sache que les démons savent tout ce que tu as entendu concernant la sanctification et ce que tu as dit. Ils vont te le rappeler en enfer. All the time, the year, the month, the week, the day, Fina was preaching to me. Pastor Emeka was preaching. Pastor Mambu was preaching. There's an ordinary pastor too. All of them were preaching, telling me about this. I forgot the day. The devil reminded me. En enfer, le diable m'a rappelé tout ce que ma sœur m'avait dit. Il m'a rappelé toutes les prédications que j'avais entendues en rapport avec la sanctification, avec les dates et les noms des prédicateurs à l'appui. And the devil said, we are going to start with your head. Le diable a dit, nous allons commencer par ta tête.
What have my head done to God? Mais qu'est-ce que mes cheveux et ma tête ont fait à you Dieu? Don't know. Il a dit, mais tu ne sais pas. Their voice, you can see their voice. That man voice, that terrible way. Leurs voix sont horribles. They smell like dead. I don't understand. Ils sentent, ils sont d'une puanteur épouvantable. And they sent in hell too. When you take all the rotten thing on earth, dog, cat, this put all together, dustbin, inhale it. It's more than the scent in hell. It's more than this one. Imaginez la puanteur des chiens pourris, des œufs pourris et des poubelles. Toutes ces mauvaises odeurs mises ensemble n'atteignent pas la puanteur de l'enfer. People right now talking, you are watching, they are crying. À l'instant où je vous parle, il y a des gens là-bas qui sont en train de pleurer. Many people have died worldwide yesterday, even Nigerians, Sierra Leone, worldwide. Some of them are entering hell now. Beaucoup de gens sont morts hier au Nigeria, en Sierra Leone et dans le monde entier. Certains parmi eux sont déjà en enfer maintenant. What I'm describing and what I'm saying now, they are going to see it now with their own eyes. Ils vont voir de leurs propres yeux ce que je suis en train de vous décrire. The fire, how we see it, how they draw it. God is taking people to heaven and hell, telling them, see, what we are saying now, some of them are seeing this now. Certaines personnes à qui Dieu a montré l'enfer ont fait des vidéos et des dessins représentant le feu de l'enfer. Ceux qui sont morts hier sont en train de vivre cela en ce moment même. So if you are here carrying your hearing, your sin on your body, you are saying, I don't believe one day you will see it for your own life. Everybody will die one day. Tu peux, si tu veux, continuer à porter tes bijoux et à vivre dans ton péché. Mais après la mort, tu sauras que ce que nous disons est vrai, car toute personne mourra un jour. I said, what have I done with my hair? J'ai dit, mais quel péché ai-je commis avec mes cheveux? The devil said, you don't know. Le diable a dit, donc tu ne sais pas? Yeah. This body is not your body. Ce corps ne t'appartient pas. Devil, now they preach so. C'est le diable qui prêche ainsi, hein? Said for your attachment, you are putting palm in your hair. Sometimes I used to barb my hair like man, tinting your hair, do all kind of thing on your hair. Don't you know that you should not put on this thing on your body? Ne sais-tu pas qu'il ne t'était pas permis de défriser tes cheveux, de te coiffer avec des mèches et de faire toutes ces coiffures fantaisistes sur ta tête? My mind run waiting, pastor tell me, but I want to use my sense there. I say nobody tell me. Des pasteurs me l'avaient dit, mais j'ai répondu que personne ne me l'a dit. I thought the devil, the demons in hell, they are zombies. Je croyais que les démons en enfer sont des zombies. Not knowing that I'm the only zombie. Alors que c'est moi qui étais un zombie. The demons say, hey, nobody told you on heart. Les démons ont dit, ah, personne ne te l'a dit sur la terre. J'ai dit, mon pasteur ne m'en avait jamais parlé. Et là, c'est vrai. Ils ont dit, mais il n'y a personne sur la terre qui prêche contre ces choses. And the demons say, we know there are some righteous. The demons, they know what they are. They know people. They say, there are some righteous pastors that they preach the true word. Les démons ont dit, nous savons qu'il y a sur la terre quelques pasteurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Les démons connaissent tout le monde. And he said, so you did not read it again in the Bible. Ils ont encore demandé, n'as-tu pas toi-même lu cela dans la Bible? I said, I did not go to school. J'ai répondu, je n'ai pas été à l'école. Lie that brought me to hell. I'm standing again, I'm lying. Même en enfer, anybody enter hell, it's not mistake. Même en enfer, je mentais alors que c'est le mensonge qui m'avait envoyé là-bas. Personne n'ira en enfer par erreur. God is a perfect judge. It's not a mistake if you enter hell. Don't say why I enter hell. Dieu est juste. Si tu es jeté en enfer, ne demande pas pourquoi tu es là. Ce n'est pas par erreur, c'est à cause de ton péché. They say all liars must go to hell. I stand in front of the demon again. I'm lying. I said I did not go to school. Il est écrit que tous les menteurs iront en enfer. Moi, voilà en train de mentir devant un démon en disant que je n'ai pas été à l'école. Le démon a dit, ah. He said your sister have told you. Il a dit ta sœur t'en a parlé. Pastor have told you. Des pasteurs t'en ont parlé. You said this. Et tu as dit ceci et cela. He said it doesn't matter. Tu as dit que cela importe peu. He said it's not only you. Les démons disent, ce n'est pas toi seul. We know many are coming. They are coming with them. Nous savons qu'il y en a plusieurs comme toi qui arrivent. We know human. They are humanity. They are here. They like here. Nous savons que l'humanité aime ce lieu. Ils aiment l'enfer.
démons, c'est that's why we are welcoming every day. Les démons ont dit nous les accueillons ici chaque jour. If we know what is happening in the world, they will not make it. They will come here. Il a dit, nous savons ce qui se passe dans le monde. Les humains n'iront pas au ciel. Ils viendront ici en enfer. Lazy Christians. Ce sont des chrétiens paresseux. They will come here. Ils viendront ici. And it's true. Et c'est vrai. They don't like born again church. Where they tell them for dress, or they send at prison. Now where they tell prosperity. Les gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification. Ils disent que c'est la prison. Ils aiment là où on leur parle de prospérité. Every day you call your pastor. Pastor, pray for me in my head. Pastor, say, let us pray. Go sleep. You don't know how to pray again. Chaque jour, tu appelles ton pasteur. Pasteur, prie pour moi. J'ai mal à la tête. Il prie et tu vas te coucher. Tu ne sais plus prier toi-même. Lazy Christians, they are going to hell. Les chrétiens paresseux sont en route pour l'enfer. And then the demon say, bring the higher. Le démon a dit, apportez le fer. I thought it was a joke. J'ai cru qu'il plaisantait. Immediately they braced me like this. Immédiatement, ils m'ont immobilisé. And in hell, there is no cloth on your body. Et en enfer, tu n'as aucun vêtement sur le corps. When they braced me like this, quand ils m'ont immobilisé, as if caterpillar hold me. C'est comme si c'est un bulldozer qui me tenait. Demons, the strength of a demon, one demon in hell is 1,000 stronger than the human being on earth. Les démons qui sont en enfer sont 1,000 fois plus forts que les êtres humains. You can't fight them. Tu ne peux pas te battre avec eux. Which strength do you have? D'où te viendra cette force? As you enter hell, the weakness, you want to drink water, the fire is tormenting you, the heat is tormenting you, the smoke is tormenting you, the smell is tormenting you, they are pushing you, you are just weak and hopeless. Dès ton entrée en enfer, tu es totalement affaibli, la soif te tenaille, tu es tourmenté par le feu, la chaleur, la fumée, le bruit, la puanteur, tu es tout simplement impuissant, sans aucun espoir. When the demon braced me like this, quand les démons m'ont placé ainsi, I can't even shake my hand. Je ne pouvais plus bouger le bras. Immediately, immédiatement, I felt a hot iron. J'ai senti un fer chauffé au rouge. Even when the iron is coming closer, you know that the heat runs from the iron. Something is coming closer to you. J'ai ressenti la chaleur de ce fer avant même qu'il n'ait touché ma tête. This is what I'm saying. Many people say, "Who can tell me this? He died. He come again. They torture him." Now your soul they go feel and my soul feel I enter back the body. And it's, that's why I say, Jesus is Lord. You are here doubting God. Or God can do anything. Beaucoup d'entre vous disent, mais qu'est-ce que la femme se raconte? Est-ce qu'on peut mourir, être tourmenté en enfer et revenir encore? Voilà pourquoi je dis que Jésus est Seigneur. Toi qui doutes encore, sache que tout est possible à Dieu. I say, God, how do you do it? I don't enter hell. They don't torture me. I'm saying this, some people don't believe. But me, I know, God, what do you really do? So this is how people, the soul, the feeling you have now, you are sitting here. This is how you carry your feeling. It's so fresh. Parfois, je demande à Dieu comment m'y prendre pour parler aux gens, car ils ne croient pas que j'ai été torturé en enfer. Mais moi, je sais, en enfer, vous avez tous vos sens, comme ici sur la terre. Many people say, when he die, he don't finish. Where you go, they go rest. Who told you that? Beaucoup de gens disent, quand tu meurs, c'est fini pour toi. Tu pars te reposer. Qui vous a dit cela? You will feel pain as if you are on earth. Tu éprouveras la douleur là-bas comme si tu étais sur la terre. You will beg, say, Lord, let me feel the pain here. Because yeah, if they starve you, somebody will show sympathy. Or you will die and get free of their man. But if you enter hell, they will cut your body like meat. You will not die. You just shout. This is how people they do. Just shout, but you can't stop them. Sur terre, si tu es torturé par quelqu'un, on peut avoir pitié de toi. La mort peut aussi t'arracher des mains de ton bourreau. Mais en enfer, les démons vont te découper en morceaux. Mais tu ne mourras pas. Tu ne feras que souffrir et hurler. En enfer, les gens ne font que hurler. Mais cela ne dit rien aux démons. Quand ils ont introduit ce fer dans ma tête, dans mes cheveux, anything they want to do to you in hell, they will tell you why we are doing this and this is the sin we are committed. So this is the punishment for this sin. En enfer, les démons justifient tout ce qu'ils te font subir. Ils disent, nous te faisons subir tel châtiment à cause de tel péché que tu commettais sur la terre. Voici le châtiment de tel autre péché. He said, how they used to design your hair with this needle and thread. You are sitting on there, enjoy it. He said, so we are going to design it for you now. So you will like it again.
Ils ont dit sur terre, on te coiffait avec toutes sortes d'aiguilles et de chaînes. Et toi, cela te plaisait. Eh bien, nous allons te coiffer avec ça. Ça va encore te plaire. I thought it was a joke. J'ai cru qu'il plaisantait. The iron entered my skull. Le fer est entré dans mon crâne. When the iron was entering my skull, as if you are frying fish, you will see we enter the. Le bruit que cela a produit, c'est comme si on faisait frire du poisson. I was fighting to come out, making my hair like this. Je me débattais pour dégager ma tête. I don't know that time if I wee or what. I don't know. The pain was so much on me. I never thought that I will ever be in a place like this in my whole life, or hell look like this. All we know about hell is fire. La douleur était horrible. Je n'ai jamais su que j'allais un jour me retrouver dans un tel endroit. Moi, j'avais toujours cru qu'il n'y avait que du feu en enfer. Before you enter the fire, they will do your own past. They will torture you before you enter. Les démons vont te torturer avant de te jeter dans le feu. The devil will play with you. Le diable va jouer avec toi. Before you enter the fire. Avant que tu n'entres dans le feu. And this is what they did to me. Et c'est ce qu'ils m'ont fait subir. Hey! When they put the iron in my head, they were drawing it here. I shouted all my voice. My whole body was as if the, I don't know how I felt. I start to shout, I cry. What I know, the water will not come out because the heat will drive the water. Quand ce fer m'a transpercé le crâne, j'ai hurlé et hurlé de toutes mes forces. Mais les larmes ne coulaient pas, car elles auraient été aussitôt séchées par la chaleur. Hell is hot. L'enfer est. Hell is hot. L'enfer est brûlant. They took the iron again, put it here. Ils ont encore introduit ce fer dans mon front. They will forcefully draw it here. Ils l'ont fait passer à travers ma tête. They designed my hair, they did not lie. Ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis. I shout Jesus. J'ai crié Jésus. I not see nothing, no presence of half light in hell. No, you say this is the presence of God. Dieu est lumière. En enfer, il n'y a pas la présence de Dieu, donc aucune trace de lumière. I shouted. Other people are shouting. My own voice is not to go nowhere. J'ai crié, crié. Les autres personnes qui étaient là criaient également, mais nos voix n'allaient nulle part. And then the devil said, "Shut up." Le diable a dit, "Tais-toi." We have not started here with you. Nous n'avons même pas encore commencé à te torturer. All the sin we are doing on earth will torture you here today. Tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre. And then they come with hot iron. Ils ont apporté un fer chaud. All my tattoo on my body, all the mark I have my body to do fashion, they were pressing it like pressing machine, and they will root my flesh like this. Ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais faites sur mon corps. Et quand ils retiraient le fer, des lambeaux de chair étaient arrachés. When they start to do this to my body, I thought that I would die one day. Quand ils ont commencé à le faire, je me suis dit que la mort finirait par venir. But after they finished touching my head will seal back, and then my mind runs straight to Finna. Where Finna was saying it. Internal pain. Mais quand ils ont fini de me torturer à la tête, ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma sœur Finda, en parlant de l'enfer, disait que c'est la souffrance éternelle. That's the time they cry never stop again in my life. Et je n'ai pas cessé de pleurer. I said finally, so this is what I will be going through. J'ai compris que j'allais subir cela pour toujours. And then they opened my mouth. Ensuite, ils m'ont ouvert la bouche. This my tongue, my teeth. Ma langue, mes dents. They are rooting it as if when you are chewing granite. Ils les ont arrachés. C'était comme si on mâchait les arachides. As you are sitting and somebody use spanner, they root your teeth one by one. How you go feel? C'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une. Imaginez la douleur. They come with a bottle like a rum that we used to drink on earth. Everything in hell is deceived. That's why they say Satan is a deceiver. The bottle look exactly the rum I used to drink on earth. Ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. Tout en enfer est illusion. C'est pourquoi il est dit que le diable est un séducteur. La bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. They said, drink. Ils ont dit, tiens, bois. Now drink, come with me here. I said, no, I don't want it. La boisson étant l'un de mes péchés, j'ai dit non, je ne bois pas. But in my heart I want because hell is so hot, as if your heart, every part in you is cooking. Mais intérieurement, je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer.
Vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer. The force I take to drink the thing they give me the rum. Avant que je ne boive ce qu'ils m'offraient. I thought it was a rum. J'ai cru que c'était de la bière. The force I took like this, not knowing that it's a fresh acid, start to melt my body, take calm down. J'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais. Cela a fait fondre tout mon corps. I dropped the bottle. J'ai laissé tomber la bouteille. I start to cry for my body when the acid is designing and torturing me. J'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps. I say, I can't take this anymore. J'ai crié, je ne peux plus supporter. I say, Jesus, I can't take this anymore. J'ai dit, Jésus, je n'en peux plus. They say, shut up, there is no mercy here. Les démons ont dit, tais-toi, il n'y a aucune miséricorde ici. I start to beg them, I say, please show me mercy, I'll be orphan, I was just doing this thing, I don't know. Je me suis mis à les supplier, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, j'étais orpheline, je faisais ces choses par ignorance. And the devil said, there is no excuse. Le diable a dit, il n'y a pas d'excuse. They start to laugh when I'm crying. Ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer. They say, we are coming to your private part. Ils ont dit, maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime. My whole life, I say, what is this? Je me suis dit, mais que signifie tout ceci? What is this? Qu'est-ce que c'est? I start to beg them because I've called the name I know on earth. I start to call Jesus, nobody answer me. I start to beg them, I say, please show me mercy, I beg you. J'ai invoqué le nom de Jésus, mais personne ne m'a répondu. Alors je me suis mis à les supplier, disant, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. I say, please show me mercy, I will worship you, please show me mercy. J'ai dit, s'il vous plaît, pitié, je vais vous adorer, ayez pitié de moi. Immediately they suspend me off the hair like this. Immédiatement, ils m'ont suspendu en l'air. And then the devil say, I will torture your private part today. Le diable a dit, maintenant je vais te torturer à la partie intime. And they were calling my private part, they will laugh. Il le disait tout en riant. And I know they will do it. They are not a liar. Je savais qu'ils allaient le faire. Ils ne plaisantaient pas. And then he said, for all the abortion you have been doing on earth. Il a dit, pour tous les avortements que tu as commis sur la terre. And all the sex you have been sexing up and down. Et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là. He said, don't you know that God makes sex is for married people? Ils m'ont dit, ne sais-tu pas que si Dieu a créé le sexe, c'est pour les gens mariés? He said, many of you youth, many of these women, they are coming, we will torture you people. Les démons ont dit, beaucoup d'entre vous, jeunes hommes et jeunes femmes, vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe. Venez, nous allons vous torturer. Immediately they come with a sharp something like spear. Immédiatement, ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance acérée. Je me suis mis à crier disant, non, s'il vous plaît, ne m'enfoncez pas ça dans le corps, je vous en prie. I start to tell them about my life. I said, no, no, please show me mercy. Je leur ai demandé d'avoir pitié de moi car je faisais ces choses par ignorance. Immediately I was begging them mercy. I just hear something enter my vagina. Pendant que je suppliais, j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin. And they forcefully root it out. Et ils l'ont retiré avec force. Immediately everything from my belly started to come out and drop it. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi s'est retrouvé en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol. I shout all the voice I have in my strength. J'ai hurlé de toutes mes dernières forces. I say, show me mercy, I beg you. J'ai dit, pitié, je vous en supplie. And the demon that we had gym me like the day we are busy doing other things on my body. Pendant ce temps, d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps. They have the special one that will just be doing something on you. Il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi. When they root the spear, I'm sure they will laugh. Quand ils ont retiré la lance, j'ai hurlé, mais eux se sont mis à rire. And then they will insert it again. Et ils ont recommencé. I said, why are you crying? You don't like it. This is not all you are doing on earth. Ils m'ont dit, mais pourquoi pleures-tu? Tu ne jouis pas. N'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre? Show me mercy, I beg you, people, I beg you. J'ai dit, pitié, je vous en supplie.
I start to cry with my sister and everybody, Finda, why you do not beat me? Dans mes pleurs, je disais, Finda, ma soeur, pourquoi ne m'as-tu pas battu? After Emeka, why you people did not beat me and stop me to go to hell? Je dis, Pasteur Emeka, pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici? Je dis, Seigneur Jésus, pourquoi ne m'es-tu pas apparu pour me fouetter? God, why do you allow me to come here? I'm just a child. I don't know anything in the world. I beg you. Pourquoi m'avez-vous laissé venir ici? Je ne savais rien. Je n'étais qu'un enfant. They dropped me down. Ils m'ont laissé tomber. They dropped me down. Ils m'ont laissé tomber. I thought they don't sorry for me. J'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi. I just see they gym me up the hair. Mais ils m'ont encore enchaîné. I just see they throw me inside the fire. Ils m'ont jeté dans le feu. My whole life I've never thought about hell. I never knew how the fire looked like. I'm now inside hell and inside this fire they are talking about hell. Hell, hell in hell. This is how the fire looked like. Les gens parlaient souvent de l'enfer, l'enfer, mais de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé cela. Je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble. And the fire look like glue. When they put you inside, you will soak you, you will go down like this. Le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion. Tu vas t'y enfoncer. It will swallow you up. Ça va t'engloutir. You will not even see your head off. Tu seras totalement englouti. You will be under with other people. Tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes. When I entered the fire, I thought I'm going to die. Quand je suis tombé dans le feu, j'ai cru que j'allais mourir. My eyes open like this inside fire. Mes yeux sont ouverts dans le feu. I feel I'm moving inside fire. Je bougeais dans le feu. I see my mouth is shouting inside fire. Ma bouche criait dans le feu de l'enfer. I see I can move my hand inside fire. Je pouvais bouger les bras dans le feu. I see other people are crying inside fire. Je voyais d'autres personnes hurler dans le feu. And then I say, what is this? Je me suis demandé ce que ça signifie. I remember again when Finda said nobody will die in hell. Je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer. That the fire will not kill you. Que le feu de l'enfer ne tue pas. I wonder, I was challenging her. I said it's a lie. A fire cannot kill somebody. God will not be wicked to us. The fire can kill us one day. If we just suffer us and take us out of the fire, we will not leave us. Because even God knows, fire is painful. Un jour, j'ai dit non, c'est faux. Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours. Il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là. Car il lui-même sait que le feu fait mal. Not knowing that the devil was the one who encouraged me in sin. Je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encourageait dans le péché. I noticed something inside the fire. J'ai remarqué quelque chose dans le feu. I saw something was moving like this, a worm. Quelque chose bougeait comme un ver de terre. And then that worm bites me. Ce ver m'a mordu. I jumped inside the fire. Je suis sauté dans le feu. I don't know which kind of thing is this. J'ai dit, qu'est-ce que c'est encore? They have finished touching me now. The fire is doing me like this. I want to come out. Tu es d'abord torturé par les démons. Ensuite, tu es tourmenté dans le feu. Je suppliais, faites-moi sortir d'ici. And this one too is biting me. What is it? What have I done? Pendant ce temps, ce ver me mordait aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? I start to think about my sin. What really did I do that is so bad that they are treating me and with other people? Because they say the highest sin is when you kill. I've never killed anybody in my whole life. What have I done? J'ai dit, qu'ai-je fait de grave pour qu'on me torture de la sorte, ainsi que tous les gens qui sont ici? Car on m'avait enseigné que le plus grand péché, c'est quand tu tues quelqu'un. Oh, moi, je n'avais tué personne. I weep, I shouted, and there is a person inside the fire, I don't know it. Everybody is fighting, there is hunger in the fire. Everybody wants to come out, everybody is fighting each other in the fire. Je ne faisais que pleurer, dans ce feu, c'est le sauve qui peut. Les gens luttent, chacun essaie, se débat pour essayer d'en sortir.
And the people, everybody is crying. I can't imagine the kind of test. I can't imagine how I was inside that fire. I don't imagine. I say, what is this, my own life? En enfer, tout le monde est en train de pleurer. La soif y est insupportable. Je n'avais jamais imaginé pareille chose avant. And then I saw a great light. Something was taking me out of the fire like this. Puis j'ai aperçu une grande lumière, une main me tirait vers le haut et me sortait du feu. Je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore. And I saw a man watch me like this. I stood before a man carrying a big white gown. He was just watching me like this. I shake his head and leave out of hell. Je me suis retrouvé devant un homme vêtu d'une longue robe blanche. Il me regardait, il a secoué la tête et m'a conduite hors de là. And I start to follow the man. Je me suis mise à le suivre. We reached before the gate a narrow road, and that the time I noticed hell was down. Nous avons atteint une route étroite. Ce n'est qu'en ce moment-là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas. We are going up. Nous nous sommes mis à monter. And then we land in a narrow road that two of us cannot walk together. It was front of me. Nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte. Il s'est mis devant et moi je suivais. Demain, je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer. But before I close this thing, I will tell you that the Lord Jesus said, tell these people that are doing this thing, that you are going to tell them how they torture you in hell and how hell look like. Mais avant que je ne ferme cette page, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus m'a dit, avertis ceux qui font les choses suivantes, dis-leur à quoi l'enfer ressemble et comment tu y as été torturé. Is there anyone that is doing gossip? Il a dit, toute personne qui pratique le commérage. Tous ceux qui disent du mal des autres. Some of you are not talking to one another, malice. Les rancuniers, les malveillants. Unforgiveness heart. Ceux qui refusent de pardonner de tout leur cœur. They have hurt you for you to forgive the person, you still carry the person in your heart. On t'a dit de pardonner à quelqu'un, mais toi tu as gardé rancune à la personne. It's a lack of love. Il a parlé du manque d'amour. It's a fornication. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. Stealing. Le vol. And in this stealing, he said, women, married women, they are coming here because of stealing. Il a dit que beaucoup de femmes mariées sont en route pour l'enfer à cause du vol. What did I mean? C'est-à-dire. He said they took money from their husband's pocket, briefcase, unknowing to the husband. They are just claiming it's my husband. I have the right to use the money. If they don't do restitution to the husband, they are coming there. Elles prennent de l'argent dans les poches ou la mallette de leur mari. À l'insu du mari, elles se justifient en disant c'est mon mari. J'ai le droit de prendre son argent. Si elles ne confessent pas cela à leur mari, elles finiront en enfer. He said, tell them my daughter corrupt acts and attitude in the church, in the house, in the office. People are corrupting everywhere. Il a dit, dis-leur ma fille, la corruption dans l'église, à la maison, au lieu de service. Les gens se livrent à la corruption partout. He said, some of them are eating the office money. They call it national cake. He said, tell them that every kobo, if they don't pay it or they don't do restitution here, I will throw them in hell. Il a dit, certains dépensent indûment les fonds publics en disant que c'est le gâteau national. Dis-leur que s'ils ne restituent pas le dernier franc, je vais les jeter en enfer. He said, anyone that has a heart of pride. Il a dit, toute personne orgueilleuse. Hell is his home. L'enfer sera sa demeure. Éternel. He said, tell people that are doing abortion. Il a dit, dis à ceux qui pratiquent des avortements. He said, young women that are doing abortion. Les jeunes filles qui pratiquent des avortements. He said, you see how they torture your private part. Il a dit, tu as vu comment tu étais torturé à la partie intime. They are going to torture their private part. C'est ainsi que ces filles seront torturées. Then he says, not only young women. Il a dit, pas seulement les jeunes filles. He said, tell the wives too. Il a dit, dis-le aussi aux femmes mariées. And the husband too. Et aux hommes mariés. That when they are having their 6-7 child, they don't want it. The husband will give the wife money, go and abort this child. We don't want it. This one, we are settled with this child. Quand l'épouse conçoit pour la 6e ou la 7e fois, ils ne veulent pas de cet enfant. Et le mari donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille se faire avorter.
And many of them will comfortable. It's my husband. It's my husband. The father of the child that give me money is not a sin. The Lord says, I should tell you, if you don't repent and ask for mercy, we throw in hell. Beaucoup de femmes se calment la conscience en disant, c'est mon mari, c'est le père de l'enfant. Le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas et n'implorez pas sa miséricorde, vous serez jeté en enfer. It's a young boy that are sleeping with this girl that are pregnant them. When they have the pregnancy, some of you deny and some of you give them money to go and do the abortion. 50%, the blood is upon your head, two of you, the boy and the girl. Le Seigneur a dit, les jeunes hommes qui couchent avec les filles, qui engrossent les filles pour ensuite décliner leurs responsabilités ou qui donnent l'argent à la fille en question pour qu'elle aille avorter, sachez que vous êtes coupables tous les deux. He said, married men that are sleeping out of their marital home, they are pregnanting a girl, give them money. If you don't do confession, if you don't confess to your wife and ask me God for mercy, I will throw you in hell. Les hommes mariés qui sont infidèles, qui engrossent et entretiennent une femme en dehors du foyer conjugal, le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas et si vous ne confessez pas cela à vos épouses, il vous jettera en enfer. He said all liars will go to hell, big and small lie, they will enter hell. Il a dit tous les menteurs, petits et grands, seront jetés en enfer. He said everyone that have jealous heart for one another will enter hell. Il a dit toute personne qui a un cœur jaloux aura sa part en enfer. He said all murderers, they will enter hell. Il a dit tous les meurtriers auront leur part en enfer. All wizard and witchcraft people, they will enter hell. Tous les sorciers, ceux qui ont recours à eux, seront en enfer. He said, all the ones that have been doing juju practice, going to this juju priest to charm your body, to kill somebody, to have mercy, to charm your husband, charm your wife, charm your boss. If you don't do confession, you don't restitute and ask me for mercy, you die with that sin. He said, I will throw them in hell. Il a dit, tous ceux qui font usage des fétiches, des gris-gris pour charmer leur mari, leur patron ou n'importe qui. Il a dit, confessez vos péchés, repentez-vous, implorez sa miséricorde, sinon vous serez jetés en enfer. He said, all persecutors, I am seeing the act. Many of them are persecuting my daughters, my son, my children. So this is for you parents and pastors and other people around you where you are persecuting child of God. Look the way you dress. Don't put this on. It's a lie. Many pastors will enter hell because of they are persecuting children of God, leading them back to sin. Tell them, say, anybody that is fine in this place, they will torture them in hell. Tous ceux qui persécutent, ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la sanctification, les pasteurs, les parents qui combattent le message de la sanctification du cœur et du corps et qui par ces fêtes incitent les autres à retourner au péché. Beaucoup de pasteurs finiront en enfer parce qu'ils dénigrent les chrétiens qui se sont dépouillés des ornements mondains et des vêtements indécents. Cultism, if you are in a cultism cult, the Lord says if you don't repent and repent and repent and do your restitution or confession, you die with that blood on your hand, you will enter hell and then they will torture you. Vous qui êtes dans le cultisme, les sociétés secrètes, confessez vos crimes, repentez-vous profondément, faites les restitutions qui s'imposent. Si vous mourrez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmenté en enfer. The Lord said, tell them, no divorcee will enter my kingdom. Le Seigneur a dit, dis-leur, aucun divorcé n'entrera dans mon royaume. So if you are here, if you have dropped your first wife, you have married a second wife, go to your first wife. If you are here, leave your first husband, you are married to a second man, go there back. Because no divorcee will enter heaven. Donc si toi, homme, tu as abandonné ta femme pour épouser une autre, rentre chez ta première femme. Si toi, femme, tu as quitté ton mari pour épouser un autre homme, retourne chez ton premier mari, car aucun divorcé n'entrera au ciel. And the Lord said, tell them, no second wife, third wife, fifth wife will enter heaven. Le Seigneur a dit, dis-leur, aucune deuxième, troisième ou quatrième épouse n'entrera au ciel. Only the first wife, he knows. Le Seigneur ne reconnaît que la première femme. And even the wife that leave his first husband go and marry to a second man. De même pour la femme qui a quitté son mari pour aller épouser un autre homme. The man that is keeping that woman, that the husband, first husband is alive. Both of you will not enter heaven. Et toi, homme qui vit avec une femme dont le premier mari est encore vivant, aucun de vous deux, homme et femme, n'entrera au ciel. He said, tell the world. Il a dit, dis au monde. Every man and woman that put on attachments on their head. Toute personne, homme ou femme, qui met les mèches sur sa tête. There are men now putting on attachments, they call themselves homo. Car il y a des hommes qui mettent déjà les mèches sur la tête, ils se disent homo, gay.
Don't put on attachment on your head, weave-on, thread, wool, anything that cover your natural hair. Don't put it on your hair. Ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels. Ne le faites pas. He said, tell them, let them not dye and palm their hair, man and women, to make it look like those Oyibo. Il a dit, don't palm your hair. Il a dit, là, ne faites pas teindre vos cheveux, ne les frisez, ne les défrisez pas. Don't dye your hair to change the color of your hair. Ne faites pas teindre vos cheveux pour en changer la couleur. Women, don't barb your hair, don't cut your hair. Femmes, ne vous rasez pas la tête. Men and women, don't put dread on your hair. Hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes. And you go to dressing. Il en est venu à la tenue vestimentaire. And when the Lord tomorrow will show you how the Lord was showing me churches, how we are dressing naked our body. Il m'a montré les églises et m'a fait voir comment nous exposons nos corps. He said, any man and woman that put on clothes that expose his body that make another one of them lost at her or him, he said, I will throw them in hell. Il a dit, je jeterai en enfer toute personne, homme ou femme, qui porte des habits qui expose son corps ou dessine ses formes, incitant par là les autres à les désirer sexuellement. He said, see my daughter, how they are entering in my church. My daughters, they are wearing trousers. When I said in my book, women should not put on trousers. Any woman that put on trousers, I look like man, I will throw her in hell. Il a dit, ma fille, regarde ces filles qui viennent à l'église vêtues de pantalons, alors que j'ai dit dans ma parole qu'une femme ne mettra pas de pantalon et qu'un homme ne mettra pas un habillement de femme. Toute femme qui porte le pantalon comme un homme sera jetée en enfer. When the Lord was saying this, even me, I don't know. When I come back, I start to shout, the Bible is inside the Bible. Deuteronomy chapter 22, verse 5. Women should not wear trousers. Go and read it. If you disobey what the Lord says in this Bible, we don't complete it, you are going to hell. So if you are here listening to your pastor than the Bible, you are doing yourself. Je ne savais pas cela avant, mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 22:5. Si tu désobéis à ce que Dieu dit dans la Bible, tu es en route pour l'enfer. Si tu préfères écouter ton pasteur plutôt que la Bible, eh bien tu te fais du mal à toi-même. He said, tell them they should not mark their body, cut their body, piercing their body, change their color of their body. Il a dit, dis-leur de ne pas faire d'incision sur leur corps, de ne pas percer leur corps, pas de tatouage, qu'ils ne changent pas la couleur de leur peau. And then I say, Lord, I will tell them. J'ai dit, Seigneur, je vais le leur dire. Anything that's inside the Bible, the Lord is mentioning it now. Voici les versets bibliques qui condamnent ces choses. This marking and cutting, piercing the body is inside Leviticus chapter 19, verse 28. Les incisions, les tatouages et le perçage du corps sont interdits dans Lévitique 19, 28. He said they should not put on their strange god. All this jewelry they are carrying on, I don't want them. Il a dit qu'ils ne portent pas de dieu étranger, c'est-à-dire tous ces bijoux que les gens mettent sur eux. Je ne les veux pas. He said they should remember what I say in Leviticus chapter 20:23. No walk in the manner of the nation which I cast out before you. Il a dit qu'ils se souviennent de ce que j'ai dit dans Lévitique chapitre 20 verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. And the Lord started to show me different things on woman body. See the attachments, the dwelling, this thing. The Lord said, these things are not of me. I will take you to hell back. I show you the father of these things my children are putting on their body. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses sur le corps de la femme, les mèches, les bijoux. Et il a dit, ces choses ne viennent pas de moi. Je vais te ramener en enfer pour te montrer celui qui est derrière ces choses que mes enfants mettent sur leur corps. So if you are here putting on gold, silver, bead, it's a tradition, you and your tradition will enter hell. Donc si toi tu mets des colliers, des bijoux en disant que c'est votre tradition, eh bien sache que ta tradition te conduira en enfer. So if you are here putting on chain, earring, ring, feet chain, waist chain, bracelet, you are heading to hell bit by bit. Si tu mets des chaînes, des colliers, des bagues, des boucles dorées, des bracelets, tu es en route pour l'enfer.
You are here saying I will take everything, but I will not take my marriage ring. You are just deceiving yourself. Si tu dis bon, je vais me débarrasser de tous mes bijoux, sauf l'alliance, tu perds ton temps. Because it's not inside the Bible that we should marry with ring. Car il n'est écrit nulle part dans la Bible que nous devons nous marier avec des alliances. All these scriptures I'm going to call help us to know that these things we should not put on our body. Les versets que je vais citer doivent nous faire comprendre que nous ne devons pas porter ces choses. Jeremiah chapter 4 verse 30. Jérémie 4, 30. 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Timothée 2, 9. Isaiah chapter 3 verse 18 to 24. Ésaïe 3, 18 à 24. 1 Peter chapter 3 verse 3. 1 Pierre 3, verset 3. The Lord says you should not do any surgery on your body or anything on your body. You that are using ash cream to change your color. You are black, now you are white. Just stop. Le Seigneur interdit le décapage de la peau, pas de chirurgie à but esthétique. And when the Lord was showing me churches, different churches. Pendant que le Seigneur m'a montré les églises dans le monde. He said, as for the choir in on earth, many of them they are not my choirs. Il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. He said, because nowadays choirs they are full of jealousy, malice, fornication, gossip. Il a dit car aujourd'hui la jalousie, la malveillance, le commérage, la fornication règne dans les groupes de chorales. Sleeping with one another, they are the one corrupting the church. Ils couchent les uns avec les autres. Ce sont eux qui corrompent l'église. They are dressed naked. They say they are singing. So I say, tell them I'm not even here. They are worshiping. Ils sont presque nus. Ils disent qu'ils sont en train de m'adorer. Dis-leur que leurs louanges ne parviennent pas à mes oreilles. And if you're a husband here, you are not showing your wife love. You have been beating your wife. You don't have chance. You don't love your wife. All your attention, your love is outside for a girlfriend. You have been cheating on your wife. You have a child outside. Your marital home, your wife don't know. You have been sleeping outside. You have been lying to your wife. You have been deceiving her. You have two salaries, one for home, one for the house. For the girlfriend outside, you have been doing things that don't please the woman. If you don't go and say, oh, baby, honey, this is what I was doing all these years. Have mercy upon me and say, Lord, show me mercy. The Lord says many husbands are inside hell because of this thing. They fail to show love. Les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses, qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison. Toi, homme qui trompe ta femme avec une autre, tu as même un enfant en dehors du foyer à l'insu de ton épouse. Tu partages ton salaire entre ton foyer et une maîtresse. Tu dois avouer tout cela à ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du Seigneur. Beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs épouses. He said many wives they are inside that fire because of disobedience. Il a dit beaucoup d'épouses sont dans ce feu à cause de la désobéissance. Many wives they amount more than the husband. Beaucoup de femmes parlent à leur mari avec arrogance et insolence. Some of them they are the owner of the money now in the house, they don't respect their man. Certaines d'entre elles ne respectent plus leur mari parce qu'elles gagnent de l'argent. When the Lord took Sister Aya to hell, he told her that all you were doing is for me. But one thing we should have learned you in hell. Because anytime my son, that he was my servant, that he was talking to Sister Aya's husband, the pastor, was asking you to have sex with him, you were telling him, I'm tired, I'm busy, I'm this. Should have learned you in hell. So now the Lord said to tell you, any woman that is here, you are the one controlling your mouth. You are the one that where you feel. To have sex with your husband, you are straining your husband. If you die with that attitude, you will enter hell. Quand le Seigneur a montré l'enfer à la sœur Ayo, il lui a dit, ma fille, tu as œuvré pour moi, mais la chose qui t'aurait jeté en enfer, c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait, tu te refusais à lui en disant, je suis occupé, je suis fatigué. Toi, épouse qui te refuse à ton époux, lui faisant ainsi subir le supplice de Tantale, le Seigneur dit que si tu ne te repens pas, tu finiras en enfer. If you don't love your husband, you are pretending you only married the husband for money. You don't love the husband, you are doing yourself. Si tu as épousé ton homme juste pour son argent alors que tu ne l'aimes pas, tu fais du mal à toi-même. You should respect your husband. Tu dois respecter ton mari. Il a cheating. Some of these women they are sleeping outside their marital home. L'adultère, il a dit, certaines de ces femmes ont des aventures extra-conjugales.
And the Lord says some of them, the sixth or the fifth or the fourth or the one of your child, you know you do sex, you do cheating. You unknowing to your husband, you carry pregnancy, you know that son, that daughter, biological is not your husband, biological daughter or so. You are keeping the son, the daughter, with unknowing to your husband, you are lying to the husband, it's your son, it's your daughter, but you know, and you are keeping it. If you don't do your restitution to that husband, the Lord say you are fooling the son on earth, but in God, he know every man, he will throw in hell. Certains d'entre elles savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui mente que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restitues pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. You are stealing your husband money on the briefcase, in the pocket, anywhere, unknowing to the husband. Go and do your restitution today to your husband that I was taking money. You did not know, but I was just taking the money. That money is not your money. You should explain. If you die, the Lord says he see you as a stealer. Femme, tu penses vendre de l'argent dans les vêtements, le porte-monnaie ou dans la mallette de ton mari à son insu. Le Seigneur te demande de le confesser à ton mari, car cet argent ne t'appartient pas. Sinon, à ta mort, tu seras sur la liste des voleurs. Office workers. Les fonctionnaires. You are stealing the office money. Tu détournes les fonds. Unknowing to the office. À l'insu de la hiérarchie. You have used the money to build house, to marry, to buy your decoration in your house. Tu utilises cet argent pour te marier, construire une maison ou pour la meubler. Some of the property in your house, you took it from the office because they are not using it. You take it in your house. You are using some of the property in your office as your own in your house. Tu utilises chez toi des biens qui sont la propriété de ton employeur ou de l'État. If you don't take that thing back or do restitution, the Lord says if you die, you go as a stealer. Si tu ne restitues pas ces biens ou si tu n'avoues pas cela à ta hiérarchie, le Seigneur dit que à ta mort, tu seras parmi les voleurs. You that are doing corrupting acts, bribing in the office, taking bribe from people, if you have been doing it, say, Lord, show me mercy and stop it. Toi qui touches des pots de vin à ton lieu de service, implore le pardon du Seigneur et ne le fais plus. Maybe some of you have known the people you have took bribe from. If you know the people you have took bribe from that day, take the money back to them. Si tu connais les gens à qui tu as pris de l'argent, va faire restitution. Fake documents. Les faux papiers. You are using somebody's name as your name. Officiellement, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. You have done malpractice. You pay somebody to sit the exam for you. You are working with that certificate. Tu as payé quelqu'un pour qu'il compose à ta place et tu travailles grâce à ce diplôme. You are taking somebody's glory. You are a cheat. Tu as usurpé la gloire de quelqu'un d'autre. Tu es un tricheur. Go and do your restitution and stop that document. Avoue la vérité et cesse d'utiliser ce diplôme. Children. Les enfants. Tomorrow I will tell you how I saw your age group, the age of 5-6 years suffering in hell. Je vous le dirai demain. J'ai vu des enfants de 5-6 ans en train de souffrir en enfer. The Lord said all disobedient children. Le Seigneur a dit tous les enfants désobéissants. Children that you are disobedient, you are not listening to your mother and father and other people that are elder than you. Some children they used to curse elder. Children, if you are here listening, if you die, you know the Lord said every children are no bad and good. If you are here, you know this is bad. What I'm doing is bad. What I'm doing is good. If you die in this thing that I'm mentioning, children, you will enter hell. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui maudissent les adultes. Le Seigneur a dit, tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal finiront en enfer. So if you are here, children, you are here in the age of 7, 8, 9 years, you are still calling yourself children, but you know you are doing bad, you are deceiving yourself, children. Tu as entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant, tout en sachant que ce que tu fais est mauvais, et bien tu te trompes toi-même. All the lying and stealing, you have been stealing mommy, daddy money, corrupting the house, gossiping, fighting your friend in school, stealing their pen, their book. Beating them, do all sorts of things. Go and do your restitution. Restitution is when you go and say, I did this, I'm sorry. Children, are you hearing me? Enfants, tous les mensonges, les querelles, les bagarres, les vols à l'école et à la maison, les commérages, va confesser ses péchés et demande pardon. Les enfants, vous me suivez? If you are a young lady here, you are doing fornication, you are sleeping up and down. For money, you are living your life. Abortion,
you are dressing naked, you are looking for a money, you have been sleeping with your boss in your office, you have been sleeping with your lecturer for Mark, you have been sleeping up and down doing abortion, and you have even having boyfriend now talking to you, and you have been tapping in a boyfriend house, calling yourself the wife, they did not pay your bride price. The Lord say you are heading to hell. Toi fille qui couche avec les hommes, quelles que soient les raisons, toi fille qui a commis un ou des avortements, toi fille qui porte des habits qui exposent ta nudité ou dessine tes formes, toi fille qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été dotée, si tu es une telle fille, le Seigneur dit que tu es en route pour l'enfer. All young men that are not yet married, boys. Et tous les jeunes hommes non mariés. Your own way is to deceive ladies, sleeping with them. I'm going to marry you. You don't love the woman. You are just sleeping with them on and off. Ton travail c'est séduire les filles, leur promettant le mariage alors que tu ne les aimes pas. Tout ce que tu cherches, c'est coucher avec elles comme tu veux. You are smoking cigarette. Tu fumes la cigarette. You are drinking rum. Tu consommes de l'alcool. You are doing clubbing. Tu fréquentes les boîtes de nuit. Dressing, exposing your body, you are wearing this tight thing, put earring on your ear, plaiting your hair. Tu portes des habits qui exposent ta nudité ou alors tu portes des pantalons collants, tu mets des boucles, tu te fais des tresses sur la tête. The Lord says you have just shown that you are not a child of God. All youth men that are not married, that are living this life, some big men too, they drink from the smoke. Everyone that is smoking, drinking, you are entering hell. Le Seigneur dit que tu montres par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que toute personne, jeune ou adulte, qui fume, boit de l'alcool, bref, qui mène ce genre de vie, aura sa part en enfer. All people that buy something 1,000 naira, 1,000 naira, you sell it 10,000 naira, you add double price. The Lord say you are a cheater. You will enter hell. Tout le monde vend un article à sa juste valeur qui est de 1,000 francs, mais toi tu le vends à 10,000 francs, 10 fois plus le prix normal. Le Seigneur dit que tu es un voleur, tu finiras en enfer. The Lord say if you are in a wizard, you are a witchcraft, you are in a kingdom of this darkness, eating somebody, drinking human blood, if you don't come out and confess and say, Lord, show me mercy, and stop that act, he said they will torture you in hell, you will eat your own flesh in hell. Toi, sorcier, sorcière, qui consomme la chair, le sang humain, repens-toi, avoue tes crimes et implore le pardon du Seigneur, sinon tu seras jeté en enfer et condamné à manger ton propre corps. Any woman that is tapping to a husband, a man in his house, promising yourself that this man is my husband, the man did not pay your bride price. Just because you have baby for the man, you are stopping in the house, but you know the man did not pay your bride price. You are saying we are finding money to go and pay the bride price. If the Lord comes, you are in that house or you die, the Lord says you are going as a prostitute and you will enter hell. Toi, femme qui vit avec un homme, ou alors que l'homme n'a pas payé ta dot, tu vis avec lui juste parce que tu as fait un enfant avec lui et tu sais que cet homme ne t'a pas doté. Tu te justifies en disant, nous sommes en train de chercher l'argent pour aller payer la dot. Eh bien, sache que si le Seigneur revient et te trouve dans cette situation où si tu meurs, tu seras sur la liste des prostituées et ta part sera en enfer. Any woman that is committing sin, that is making sex, that you are not married legally to a man, you are a single lady, you are a woman that you are not married, you are up and down having sex. Just in the name of enjoying, the Lord says he sees us as a prostitute. That's why they torture my private part, because sex is for married, legal married people. Toute femme qui entretient des relations sexuelles avec un homme sans être légalement mariée avec cet homme-là, ou celle qui le fait avec plusieurs hommes juste pour jouer la vie, le Seigneur dit qu'il nous considère comme des prostituées. C'est la raison pour laquelle j'ai été torturée à la partie intime, car le sexe, c'est pour les gens légalement mariés. People that are painting their face, if you are here painting your face, putting all kind of powder, mascara, eyelash, painting to make your face look beautiful, painting your body, the Lord says you should stop, because he, Lord, has warned you in Jeremiah chapter 4 verse 30. Isaiah chapter 3 verse 18 to 24. Les gens qui appliquent des peintures sur leur visage, la poudre, le mascara, le maquillage sur les yeux pour que le visage soit plus joli, les vernis, le Seigneur vous ordonne d'arrêter cela car il nous a averti dans Jérémie 4:30, Isaïe 3, 18 à 24. Jeremiah chapter 4 verse 30. Jérémie 4:30.
Isaiah chapter 3 verse 18 to 24. Isaïe 3, 18 à 24. You that have malice, hatred, jealous, fornication, all these things in your heart, that somebody has come and meet you, say, forgive me. And now many people are going to do restitution to you. If you don't forgive your wife or your husband that are coming to do restitution, you pack the woman out, or you pack the man out, or you start doing something. The Lord say, if you don't leave somebody in your heart, learn to forgive. You carry that body in your heart, you say, I will not forgive this person. The Lord said, I should tell you that all this sin that is inside somebody's heart, this jealousy, this hatred, this gossip, some of you have scattered marriage, some of you have scattered a area by gossiping. You have scattered a whole church by gossiping one another, hatred. You hate somebody for nothing. You just jealous in a person. You are spoiling a person's name. You are here charming a person. You are here responsible for your sister, your brother, children. You are doing evil things to them, juju them. You have been tying them up. If you don't release the children of God, you that are using the juju practice to cover somebody lock, to kill somebody, to hurt somebody. If you are here, you are doing this thing. If you don't release that person, if you don't release that sin in your heart, you don't stop that malice. Some of you, you and your neighbor, now you are not talking. You say, I'm the one that have rights. Even God knows, this woman will not talk to her. She's the one that unfair me. There is no excuse when you stand before the Lord. Go and make peace now. Some of you, you are here using your mouth to curse people. Bad word coming out of your mouth, laying curse on them, even your own children. If you don't stop that act and say, Lord, have mercy, you will not enter heaven. No matter how you pray, you roll, you are carrying this sin in you. And you are putting on this dwelling attachment, this traditional mark on your body. Say, Lord, have mercy and stop. If you don't do it, you are just doing yourself because you are entering hell. If you are here rubbing cream to change your color, you are palming your hair, dyeing your hair, you are doing yourself, you are going to hell. And that day will be surprised to hear the Lord say, only dwelling that took you to hell. You have been worshiping me through, you have been prophesying, you have been calling my name, but my daughter, my son, you are not qualified because of this thing you have been putting on and the sin in your heart. So today we are going to call altar call. That Lord, remember me of my restitution, and Lord, toi qui as le cœur plein de jalousie, de fornication, de rancune, de méchanceté, tu hais les gens même sans raison, tu dois te repentir. Et vous les mauvaises langues qui par jalousie avez sali le nom de quelqu'un, détruit des foyers et même des églises, repentez-vous, arrêtez cela. Ainsi que ceux qui utilisent leur langue pour maudire, souhaiter le malheur aux autres, même à leurs propres enfants. Vous qui êtes entrés dans des pratiques occultes et mystiques pour charmer, bloquer quelqu'un et même les enfants de la famille, vous devez vous repentir et libérer les enfants de Dieu, ceux qui ont gardé rancune aux autres, au point qu'ils ne les saluent plus. Repentez-vous, faites la paix maintenant. Que mari et femme confessent leurs péchés l'un à l'autre et se pardonnent réciproquement, sinon vous n'entrerez pas au ciel, quelle que soit votre spiritualité. Ceux qui mettent des bijoux, des extensions de cheveux et qui ont des scarifications et des tatouages, demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous et abandonnez ces choses. Si vous ne le faites pas, vous faites du mal à vous-même, car c'est l'enfer qui vous attend. Ainsi que toi qui te décapes la peau, qui défrise et fait teindre tes cheveux. Quand tu mourras, ne sois pas surpris d'entendre le Seigneur te dire, « Ma fille, les boucles d'oreilles t'envoient en enfer. Pendant ta vie, tu m'adorais, tu prophétisais, tu invoquais mon nom, mais tu n'es pas qualifié pour entrer au ciel à cause de ces choses que tu mettais sur toi et à cause du péché que tu as gardé dans ton cœur. » Aujourd'hui, nous allons lancer l'appel à la repentance. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce, de te souvenir de tout ce que tu dois confesser. If you are here, you want to do restitution. Some restitution is the time they born you when you are going to school. You don't remember. You don't remember. It will be shocking to you. We go and stand. The Lord say, in 1986, you did something. Say, Lord, remember me today of my restitution. Lord, give me the grace to go and do my restitution. Dis, Seigneur, rappelle-moi les péchés que j'ai commis, même dans mon enfance, afin que je les confesse. Accorde-moi la grâce de faire les restitutions qui s'imposent. Young boy, if you are here stealing phones, stealing people thing in the market, you are going to hell. Say, Lord, have mercy today. Young lady, fornication, choir. You are late to come to choir. You are just doing your own up and down, gossip, malice.
You are dressing holy, but your heart is holy. You still have boyfriend. You are here carrying. You are still fighting you and your boyfriend. You have boyfriend. You don't know how to come out of that relationship. You don't know what is dragging you. Say, Lord, disconnect me and this relationship today because I don't want to go to hell. Toi, jeune garçon qui vole et dérobe des choses ici et là, tu es en route pour l'enfer si tu ne te repens pas aujourd'hui. Toi, jeune femme qui mène une vie de désordre et désinvolte, repens-toi, abandonne le commérage, la médisance et la méchanceté. Toi, fille qui a des relations sexuelles avec un ou des gars, dis au Seigneur, Seigneur, c'est pas moi de cette relation aujourd'hui. Je ne veux pas aller en enfer. You have been duping somebody in his money, you have been lying, you have been doing all things, lying to your husband, I need money to do this, the money, this is that. Children, you have been taking your father money, your parents money, you have been lying. Many sin you see is not a sin. If you don't say, Lord, have mercy today, I'm going to do your restitution. You will cry your whole life in hell. Ceux qui escroquent de l'argent aux autres. Les femmes qui mentent à leur mari au sujet de l'argent, les enfants qui volent les choses à la maison, confessez vos péchés, demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous. Au besoin, faites restitution, sinon vous irez pleurer en enfer pendant toute l'éternité. Come and pray for your family, your wife, your children at a university. Tomorrow I will tell you how university children, how Satan is using them to pollute the church, pollute the university. If you are here a mother, if you are here a husband, come and pray for your family that Lord help us to make heaven. Viens prier pour ta famille, ton épouse, tes enfants qui sont à l'université. Demain, je vous dirai comment Satan est en train d'utiliser les étudiants pour polluer l'église, polluer l'université. Père de famille et toi, mère de famille, viens prier pour ta famille. Dis, Seigneur, aide-nous à aller au ciel. You husband that are beating your wife to put on jewelry again, you are doing yourself. Toi, homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux, cela va se retourner contre toi. You wife that are telling your husband, I will not take off my jewelry, this is not my church, I don't believe this doctrine, you are fighting, you are doing yourself. Et toi, femme qui combat ce message en disant, je n'y crois pas, je ne vais pas enlever mes bijoux, mon église ne m'interdit pas ça, eh bien tu t'es fait du mal à toi-même. Parents that are beating their children, don't go to this church. Which kind of doctrine is this? Don't put off your jewelry, put it on. Wear trousers. Some parents, they beat their children to put on trousers. When the children say, no, I've known Christ, I don't want to go. Sister Linda, say, anybody put this, you are beating her, beating him. Say, it's a lie, you are doing yourself. Because this is how they're going to beat you in hell. Malheur aux parents qui maltraitent leurs filles en disant, ne fréquente pas telle église. Quelle est cette doctrine? Mets tes bijoux, porte le pantalon, vous les battez même quand elles vous disent qu'elles ne peuvent plus faire cela parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est vous, parents, qui serez fouettés en enfer. Please don't go. You don't know the time you will die. Come and say, Lord, have mercy for all my sins and wash me with your blood. Write my name today, today, not tomorrow. Today in the book of life. Please come now in front of the altar. Say, Lord, have mercy. S'il te plaît, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Viens et dis, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés et lave-moi avec ton sang saint. Écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Old man, you know your past life was not sweet in the sight of God. You have been sleeping, lying. Now you are married, you want to live your life. Say, Lord, delete my old past. Have mercy upon me. Women, you know what you did before you married. Come and say, God, have mercy. Toi, homme, toi, femme, tu sais que la vie que tu as menée avant de te marier n'est pas droite devant Dieu. Viens, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, efface mon passé. Many people will go to hell. Beaucoup de gens iront en enfer. Don't go to hell. Ne va pas en enfer. Tomorrow, my brother Samuel will tell you a woman in hell just for one stick matches that he took from his friend, his neighbor. He did not confess. He forgot to confess. I took one stick matches. Now the woman is crying in hell. One stick matches. The woman is crying in that hell. That fire that cover up everybody. Don't go to hell. Don't sit on your sin watching somebody. Some of you are ashamed to come out because your neighbor is watching you. You will regret your whole life if you don't do restitution and confess. Demain, le frère Sambo vous parlera d'une femme qui est en train de pleurer en enfer à cause d'une bûchette d'allumettes qu'elle avait prise dans la boîte de sa voisine sans le lui dire. Elle avait oublié de le lui dire. La femme pleure dans ce feu à cause d'une bûchette d'allumettes. Ne va pas en enfer. Ne dissimule pas tes péchés. Certains parmi vous ont honte du qu'en dira-t-on. Vous allez regretter pendant toute l'éternité si vous ne confessez pas vos péchés et ne faites pas restitution.
The Lord examine me today and expose me. I don't want to go to hell. Dis Seigneur, sonde-moi maintenant et expose-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoban. Adressez cette vidéo sur tous, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, adressez cette vidéo sur tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow.